by French Film Festival. Bonjour, je m'appelle Adèle Haenel, je suis actrice. Il faut faire une prépa pour entrer dans l'armée. Ça dépend du régiment que tu veux, en fait. Moi, celui que je veux, c'est un des plus durs, donc ils prennent pas n'importe qui. Je pense que le cinéma français, c'est un cinéma qui est hyper inventif, qui est très divers. Il y a pas mal de préjugés, quoi, sur c'est des films chiants, et tout ça, des films qui se ressemblent tous, alors qu'en fait, quand on regarde dans le détail cette année, il y a vraiment eu des propositions super intéressantes. Oh ! Je veux m'inscrire. On peut pleurer en France, on peut rigoler en France. C'est pas du tout monochrome et chiant, et en même temps, ça renonce pas à l'ambition de faire des œuvres d'art, quoi. Mais je défendrai pas tout le cinéma français, hein. Je défends le cinéma que j'aime en France. C'est quand même pas la même chose. C'est un cinéma un peu curieux, je dirais, voilà, de nouveau cinéma. Pour moi, ce qu'il y a d'universel, c'est l'envie de raconter des histoires, voilà. C'est juste ça, c'est l'envie d'avoir, de raconter sa vie un peu. Rusticité, mon cul, ouais. C'est les paras, ça. Tu manges pas ton flambé. C'est super, le film en ligne, ouais. Il y a une espèce de nouvelle ère qui est potentiellement en train de s'ouvrir et qui peut être super bien et qui peut aussi être carrément un broyeur, quoi, moi, je dirais. Moi, j'aime bien quand même la salle, je suis un peu attachée à ça. Et puis l'idée d'aller dans une salle avec plein de gens, de les entendre manger leur popcorn, ça va manquer, je pense. Ouais. Si, on peut manger des popcorns chez soi aussi. Mais bon. Tu penses que je suis folle? By French Film Festival. C'est difficile. Un chasseur, chasseur, chasser, tout ça, c'est compliqué.